message urgent du docteur Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Park Opération Genesis pour la suite de notre aventure avec le parc. Donc lors du précédent épisode on a une épidémie de grippe et là on a des dinosaures qui sont un peu fou furieux, à savoir ce raptor. Qu'est-ce qu'il a ? Du docteur Grant. Il est stressé à cause de je ne sais quoi. Donc là c'est un peu gênant. C'est un message du docteur Wu. Donc le stégoso on peut le créer, le triceratops c'est 96%. En ce moment on est en train d'avoir beaucoup de... Super. D'ADN de stégosaure, on va essayer de le développer. Par contre là on va devoir faire gaffe. Je rentre à la base. Lui on va le mettre ordre, on va l'endormir. Alors Massif Morrison A, on a plus de... On trouve plus rien, attendez, je vais voir si c'est pour lequel. Épuisé, moyen, donc celui-là il est épuisé. Lui aussi. Où est-ce qu'on n'a pas encore été? On va essayer d'aller un peu en Europe, tiens, essayer de trouver des trucs. On sait jamais. Ah, j'ai encore une équipe d'utile. Je vais la rajouter. Bon là je vais le laisser, au pire je vais mettre, je fais un truc, voilà, attendez je les ai bien envoyés là-bas, hein. On verra ce qu'il y a, message du docteur. Ok, Ceratosaurus à 100%, oh, je crois qu'il s'est fait bouffer lui, ouais, il s'est fait bouffer. Bon. Je rentre à la base. Bon, maintenant ça devrait aller mieux pour lui. Ah bah le corps il a déjà disparu, UB. On a déjà le Dryosaurus à 100%. Là il va mourir l'autre, il a combien de pourcents? 96, c'est pas grave. À cause de son coup de stress, j'ai pas compris d'où ça venait. Et là, ça monte ou pas le stress? Non, ça se calme, c'est bien. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'aide. Message du docteur Grant. Bon, on trouve de l'opale. Message urgent du docteur Wu. On a développé le gène mortel dans la couveuse, c'est bien. On va développer, pour les rangers, des batteries doubles. Je suis très heureux de vous annoncer que votre gestion de Jurassic Park a été exemplaire. Nous avons finalement obtenu nos 5 étoiles. Il est désormais officiel que Jurassic Park est le plus fantastique parc à thème du monde. Bon, bah, je vous annonce que la victoire est gagnée à l'épisode 9. C'est plutôt pas mal, donc j'ai sauvegardé déjà. On va continuer. 5 étoiles, les amis, et B. Donc, lui, j'espère que ça va aller mieux. Quelles sont vos instructions? On a réussi à gérer l'épidémie telle comme il faut. De l'argent, on les prend. Du coup... Qu'est-ce que j'allais dire? On va créer une nouvelle espèce. Alors je vois un peu ce qu'on a réussi à avoir comme espèce. Stegosaur à 74%. Salut. Que puis-je faire pour vous? Raptor, on en a 6. L'Ultraraptors, c'est vrai, Pyroraptors. On peut créer un Ceratosaurus. Ah, un Ceratosaurus. Pyroraptor, on en a plus besoin. Message du docteur. On va créer un enclos pour le Ceratosaurus, tiens. Par contre, où? Ça, ça va être une très bonne question. Je pense que derrière la Crocanthosaure et tout, ça me semble pas mal. Donc là on peut faire que 3 sections. 2. On va essayer de faire un truc assez particulier. Voilà. Message. Ça me semble pas mal. J'ai commencé un peu à démolir ici tout ce qui est arbre en trop. Hop. Ok, on a supprimé une barrière en prime. Message urgent. Du docteur ah, qu'est-ce qui se passe encore? Que devons-nous faire?
Ah, lui, il est encore stressé. Ok, chef. Bon, on va essayer de s'occuper de ça. Docteur Grant. Je rentre à la base. Bon, au moins, on a eu un coup de chaud. On a réussi. Je vais essayer d'ouvrir un deuxième tour en ballon pour avoir plus de visiteurs qui voient nos photos et tout, qui voient un peu mieux les dinosaures. Alors. Bien. Ouais, couveuse. On va développer deux. Alors. Ok, ok. Message du docteur Grant. C'est petit carnivore, le Ceratosaurus. On va en mettre deux. Bien. En plus, ils seront immunisés contre toutes les maladies, donc ça nous fera gagner du temps. Message du docteur. Et là, je vais essayer de. Alors, pivoter. Et rajouter un chemin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut pas ? Vos instructions. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer que le carnivore du Jurassique, le Ceratosaurus, est maintenant visible dans le parc. Et voilà, c'est celui qu'on voit dans le 3 qui renifle les fientes du spinosaure et en fait qui se dit « Vaut mieux pas que j'y aille ». Plutôt classe, 2 étoiles mais bon. Du coup, dinosaure, mangeoire pour carnivore. Rebonjour. Donc, voilà, ce sera parfait. Et là, je vais mettre des arbres paléo. Excellent. Petite jungle comme ça. Il a un cours d'eau. Et je vais tout de suite construire la seconde, le second tour en ballon. Si j'arrive à le placer. Bon, il y a moyen normalement. Mais... Alors, attends. 1, 2, 3, 4. 5, voilà. Et là derrière, on va rajouter les chemins. Jusque là, ça me semble pas mal. Ouais, parfait. Que devons-nous faire? Alors, Pyroraptor, on vend. Stégosaure, on prend. Super. Par contre, là, on va se faire pas mal d'argent grâce à tout ça. Je pense que la zone Europe, c'est juste pour ajouter du fric, hein, en fait. C'est 3 x 2000, c'est plutôt cool. Excellent. Alors. Vous devez faire quelque chose. Ah voilà, il va mieux lui. Vous devez faire quelque chose. Comme ça là. Message du docteur Grant. Encore des gisements d'opale. En train de récupérer de l'argent et à vitesse grand V. Message du docteur Grant. Pyroraptor, on revend. Message du docteur Wu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Message urgent du docteur Wu. Bon, les doubles batteries pour les hélicos, c'est réglé. Ranger sécurité. On va rajouter des caméras de sécurité, ça peut toujours être utile. Oh bah lui, ils sont carrément mis dans la forêt. Message du docteur Grant. Stégosaure élevé, on y va. Aucun problème. Bon, notre acrocrantosaure, lui, il continue de faire le carnage. J'aimerais bien essayer de faire un truc qui serait pas complètement logique, mais vous pourrez me comprendre. C'est que je mette tous les Dryosaurus avec les Gallimimus, comme c'est des petites autruches aussi. Donc je vais les mettre, je vais en mettre 8. De l'ambre. On va l'extraire. Excellent choix. Sait-on jamais. Bon, c'est qu'un dinosaure une étoile, certes, mais au moins ça mettra un petit peu de plus de vie dans cet enclos. Le carnivore du Jurassique, le Dryosaurus, est maintenant visible dans le parc. Voilà,
C'est ce petit gabarit là, donc c'est un peu plus petit qu'un gallimimus, certes. Mais voilà, ça mettra un petit peu plus de vie. Deux espèces qui peuvent cohabiter entre elles, hein. C'est toujours marrant. Henri. Qu'en pensez-vous ? Bon bah le pyroraptor est en 100% grâce à ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, le pyroraptor, hop, 5 et 2, 7. Message du docteur Grant. On a trouvé de l'ambre, on va l'extraire. Message du docteur Grant. Alan. Bon bah c'est bien, on s'en fait pas mal d'argent. En tout cas je suis content d'avoir étalé 5 étoiles. Bon, en 9 épisodes, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, mais bon, pourquoi pas. Bah du coup ce qu'on va faire en parlant de ça, on peut avoir tous les sites. On va tout débloquer. Donc Massif Morrison B. On va débloquer celui-là. 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 Et celui-là. Bon, ils disent 10 sur 12, mais j'en vois que 10, on est d'accord. Hein. On voit pas d'autres coches quelque part. Donc ce que je vais faire. Là c'est déjà épuisé, là aussi. J'ai déjà en laissé 3 ici. Vous 3 là-bas. Oula, il y a du truc. Donc ça c'est pour avoir laissé accès au site de fouille. C'était pour le Ceratosaurus, ok. On y retourne, donc. On va y laisser une équipe au cas où. On va... Alors là, c'est site B, c'est Brachiosaur, Camarasaurus, Dilophosaur, ok. Bon, bah on va essayer, hein. Ça fait 3 équipes. Donc on a 9 équipes en tout, c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis plutôt content avec eux. Alan. Alors, je vais retourner au nord. Donc là, on va avoir tous les Dryosaurus qui sont immunisés naturellement à toutes les maladies, ce qui nous fera gagner de l'argent pour les vaccins. Et est-ce que notre tour en ballon, il est viable ou pas ? Est-ce que... Évidemment, bah non. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de mettre un chemin. Bravo, Kaiser. John Hammond. Voilà. Alors, John Hammond, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Nous aimerions parler de vos performances. Message. Alors, rapport de trimestriel numéro 11. Vos résultats sont fantastiques. Vous avez réussi à créer un parc et obtenir un classement de 5 étoiles. Jurassic Park est maintenant le plus formidable parc à thème du monde. Le conseil de Jen vous félicite. Et contactez-nous quand vous aurez le temps. Voilà, c'est plutôt cool. Donc, Dryosaurus et Ganymimus cohabitent ensemble. Dans le meilleur des mondes. Message du docteur Grant. Diplodocus, c'est un gros herbivore ça. Mais bon. On va le vendre, c'est pas un dinosaure du film. C'est pas RP. Message du docteur Grant. Dryosaurus 2100. Moi on a vacciné les raptors contre les maladies les plus dangereuses, à savoir la rage et la grippe. Avec l'épidémie qu'on a eue, j'avoue, j'ai eu très peur. Alors, l'acrocontosaure, lui, il se porte bien, notre ami. Ouais. Alors, des fossiles. Ah, y a pas grand chose, hein. Ouais. Ouais, y a pas grand chose d'intéressant. Pourquoi pas le Kentrosaurus. Et je pense que ce sera tout, ouais. Alors, Henri. Ne devriez-vous pas vous occuper de ça ? Caméra de sécurité, bon, on va rester dans la sécurité. Absolument. Les balises répulsives. Et on va commencer à extraire cet ADN. Du Kentrosaurus. Diplodocus, on le vend. Message du docteur Grant. Ça continue, Ceratosaurus, ça ramène de l'argent. Là, je vous avoue, je sais plus quoi faire dans ce parc maintenant. Salutations.
Faudrait qu'on ait aussi le T-Rex et le Spinosaur qui se livrent un combat à mort, ça pourrait être un beau final. Mais bon, le temps que je les ai, voilà quoi. Message du Dr. Wu. Ok, 18% de Kentrosaur, c'est pas mal. Merci de vous être arrêté. Ah ouais, lui il rigole pas, hein. Hey, je me fais la vache. Host. Message du Dr. Grant. Europe, y'a plus rien. Sérieusement? C'est médiocre, ok. Là, on a pas mal de trucs. Là, c'est bien aussi. Tricer, Taurosaurus, ça joue à deux. Alors, ce que je vais faire, je vais... Alors, il est mon tour en ballon dans le coin, déjà. Ah, il est là. On va tout effacer. Alors, il est où, ce ballon? Ah, il est là. Message. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une photo. Alors, c'est pas dans le bon angle. Super, c'est les Dryosaurs avec les Gallimimus, si je peux. Mais ils sont partout. Voilà, on a fait 369 points. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Par là, on va prendre toute la meute de Raptors si possible. Superbe composition. Voilà. Ensuite, par là, on va faire les Edmontosaures. Voilà, parfait. Et là-bas, on va faire le troupeau de Pachycéphalosaures et d'Homocéphales. Voilà, on se refait pas mal de points, ça fera peut-être des prix pour certains trucs. Alors, on va bien. Diplodocus, non merci. Que voulez-vous qu'on fasse? Massif Morrison A. Épuisé. Déjà. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer de voir si on peut trouver des... On va regarder un petit peu des trucs. Lui c'est jurassique. On va essayer de le prendre lui. On sait jamais si on a Stegosaure. Message du docteur. Bon bah lui, on le vend. Et là, on extrait. Je sais pas si on peut obtenir ailleurs le Stegosaure. Tout va bien. On ne dit rien mais... Non, là, c'est le Kentrosaur. Putain, on peut en avoir que là, quoi. C'est ouf. Et ça vit combien, hein, Stegosaure, là? Message du Dr. Grant. Ah. On a des équipes inactives. Oups. Je vais vous emmener dans les lits de Tendaguru. Et je vais vous mettre là-bas. Dans les plaines. Du Dr. Wu. 40% du Kentrosaur, c'est plutôt pas mal. Donc avec l'ambre et tout, ça a bien fait grimper. Message du Dr. Wu. On se refait pas mal d'argent. Alors, il est où le second ballon? Ah ouais, j'ai même pas pris les Ceratosaurus en photo, tu en veux le faire. Superbe composition. Voilà, même s'ils valent pas grand chose. Ça fait toujours du monde. Message du Dr. Grant. Alors. Ah. Du 5 étoiles, ça, le Brachiosaurus, ouais. Super. Il est bien équipé. On a pas mal de dinosaures là. Message. Ah bah celui-là il attire du monde en tout cas. Un jour dinosaure, non. En tout cas, je suis un peu content de ma petite trouvaille entre les Dryosaurus et les Gallimimus. Ils ont plutôt l'air de bien s'entendre, j'ai l'impression. Et ça c'est cool.
Que recommandez-vous dans ce cas ? Message du docteur Grant. De l'or. Message urgent du docteur O. Et là, on fait toutes les dernières technologies, enfin, dernières recherches possibles pour le parc. On va faire la fontaine. Aucun problème. Parce que un beau parc, c'est toujours important aussi, j'ai envie de vous dire. J'ai pas un abri, je pourrais pas caser un abri dans le coin là. Que je vous avoue qu'avec tous ces carnivores. Message. Sécurité. Abri. Ah, il n'y a pas de place. Que devons-nous faire ? De l'ambre massivement assemblée. On va les développer. Choix. Bon. Salutations. C'est un beau petit parc quand même tout ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce parc. Si vous avez des trucs que vous aimez bien dans le parc, si vous aimez moins, ce que vous voulez voir. Là pour ce moment, je vous avoue que je sais pas si je continue la série. Du fait que j'atteins 5 étoiles, je me vois pas quoi continuer. Pour le moment, après je dis peut-être ça, mais je dirais une bêtise. Qu'en pensez-vous ? Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez que ça continue, bah vous le dites. Sinon, on passe à un autre jeu hors Total War et on verra lequel. J'ai déjà une petite idée là-dessus, mais faut que j'arrive déjà à trouver le temps. Tout simplement, après, je pense que quand on veut, on peut, j'ai envie de dire. C'est comme au boulot. Ça, tant qu'on sait bien concilier les deux, on est tranquille derrière. Ah, comment ça se fait que j'ai deux brachiosaures différents ? Rebonjour. Non, j'ai pas deux brachiosaures différents, non. Alors, des restes de inconnus. En tout cas, tout ça, ça nous refait défaut de l'argent. Je vais peut-être développer une tour ici, ça pourrait être pas mal. Attraction, tour. On tourne. Message du docteur Grant. Alors. Voilà, on va pouvoir voir pas mal de choses. Ouais, on voit beaucoup de choses, ça c'est bien. Que devons-nous faire ? Carnotaurus, c'est pas dans le film. Alors, les Ceratosaurus, ils sont planqués. Message du docteur Grant. Pyroraptor revendu. Et là où je vais foutre les Kentrosaurs maintenant. Ça, c'est un autre problème. Le parc, il commence à être bien grand. Et maintenant, ça va être compliqué de l'étendre. Donc, ce que je vais faire un enclos là. Je pense pas qu'on trouvera d'autres espèces. Message du docteur Grant. On va préparer les Kentrosaurs pour la prochaine fois. Donc, pour le moment, je vais continuer. Sauf si vous voulez voir autre chose. Voilà. Et voilà, hop, ça c'est ce qu'il fallait s'y attendre. Je vais faire. Message de l'administrateur. Alors attends, deux secondes, l'administrateur. Permets, je suis occupé. Je sens que ça va râler. Que voulez-vous qu'on fasse ? De l'ambre, ok, on va y aller. Oh, double ambre. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bizarre. Du coup, on va faire des lacs. Message. Une couveuse. Des arbres. Paléo. Message du docteur. On va développer des attractions. On va faire. Je pense que je vais peut-être placer une troisième entrée pas loin. Je ferai ça la prochaine fois par contre. Message du docteur Grant. Quelles sont vos instructions ? Alors, Camarasaurus, on le prend. Super. Pyroraptor, c'est vendu. Content de vous voir. Message du docteur Wu.
Putain, déjà 79%. Non. Message du docteur. Imaginez un de ces monstres dans le parc. Kentrosaur, ça c'est bien. Excellent choix. C'est pas du petit dinosaure, hein, mais... Bon. Je pense que l'épisode sera pas, est pas mal, là, donc je vais juste faire ça, la dernière une des dernières recherches. Ça, il n'y en a plus beaucoup, hein. Il en reste 3, 5. Message. On va développer le dôme d'observation. Camarasaurus, ok, rien. Ok, donc, ceci est la fin de l'épisode 9 de Jurassic Park. L'objectif des 5 étoiles est atteint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous voudriez, si je continue cette série encore un peu ou pas, ou on passe à autre chose. Allez, salut à toutes et à tous, c'était Kaiser von Kerstein de Planet Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir. Et le rêve de John Hammond s'est réalisé, il peut mourir en paix.